Suite de l'entretien. La Zoé. Alors, ce qui est original sur une voiture de ce gabarit, c'est que les vérins, il y a des vérins à gaz. Comme sur les voitures premium, il n'y a pas une tige métallique avec un... qu'on chope toujours moins bien, ça va pas bien, c'est... Non, là, c'est carrément... On pousse cette languette, le capot entrouvert, un petit peu, par là, vers la gauche. Ça libère le capot, il suffit de soulever, les vérins font le boulot. Et ça maintient parfaitement. Alors l'entretien de la Zoé, c'est très compliqué, hein. Oh là là, c'est pénible. Ouf. Donc, on retire les feuilles. Quand on habite à la campagne, il y a toujours des feuilles. On tire les feuilles mortes. On fait un peu de ménage comme ça. Bon, de toute façon, c'est pour toutes les voitures, hein. C'est pas spécifique à la Zoé. Voilà, ici. Donc, cette partie-là, eh ben, c'est la partie transformateur. Enfin, j'y connais pas grand-chose non plus, hein. On va faire un cours là-dessus avec ce que je ne sais pas. Il n'y a pas d'entretien comme sur une classique. Il n'y a pas de jauge d'huile. Il n'y a pas tout ce que l'on connaît dans les thermiques. Quand on ouvre le capot de la Zoé, c'est pour quoi faire? Eh bien, c'est pour mettre du lave-glace ici. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire sur une Zoé. Voilà. Le reste, c'est l'entretien par la concession. Il vérifie tous les niveaux. Niveau de je sais pas quoi là. Et puis c'est tout. Hein. Il n'y a rien d'autre.